Eh bien, coucou YouTube et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Last of Us 2. Ça fait plaisir. On s'est arrêté pour vous. Alors, pour le chat Twitch, il continue parce que vous n'êtes pas sur le chat Twitch et ça, c'est pas possible. Donc, pour ça, il faut rejoindre Twitch qui est dans la description parce que eux, ils font partie de l'élite. Et ça, c'est important. Nous, on enchaîne avec Twitch. Là, ça fait. On va enchaîner pendant encore 2 heures. Mais du coup, donc, si vous êtes arrêté sur YouTube, eh bien, on s'était arrêté ici devant un cerf. Qui s'est fait dégommer sale. Ah lui il a pris tarif, lui il a pris ce qu'il méritait. Mais après, comme on dit, c'est la rue. Du coup, écoutez, on va un petit peu checker les bails. Appuyez sur R1 pour changer d'arme rapidement. Ok. Alors ça pue la merde ça. Ouh là là, ouh ça sent mauvais ça. Ça veut dire les gars, préparez-vous. On va faire du sale. Oh là là, oh là là. Ok les gars. Oh ça commence direct hein, ça commence direct hein. Y'en a un là. Ok. Désolé frère, c'est la rue. Hop là. Voilà. Ellie elle a un petit couteau. Abby c'est hop brisage de nuque. Ellie elle a quand même des petits couteaux. Qu'est-ce que tu mangeais? Ah c'est un menu maxi best of, ça je connais. Hein. Ici y'a un bail. Ça je peux ouvrir. Évidemment. Est-ce que ce serait pas le retour du surin? Non? Putain vous vous rappelez du surin ou pas? Moi je me rappelle. Moi je me rappelle fort. Je peux passer par là? Il y a des bails à récupérer ici. Absolument rien. Bah super. Bah c'était super utile les gars ça. Bah alors. Ça c'était très utile. Hop. Oh je me tape un screamer, c'est évident. C'est évident. Non. Oui. Ah attendez oui. Ok non c'est bon. J'ai capté. On y retourne. Toi ta gueule par contre s'il te plaît fais pas le frérot. Allez hop là tu dégages. Fais pas l'ancien. Hop là. Voilà c'est lancé. Oui la fenêtre, vous avez raison. C'est bon. En effet. Ouais. Non, touche pas de ma gueule. Non, tu mens. Tu mens. Merci. Tu mens. C'est trop tard. Mais non, mais c'est une blague. La porte par où on est entré était bloquée. Mais non. Comment il a fait pour rentrer le coureur? Mais il a couru. Ouais, c'est une bonne question ça. Mais non. Les gars, ne dites pas ça. C'est trop tard. J'ai vu la fenêtre en fait, mais je pensais que ça allait me ramener au même endroit. Ça doit être celle que j'ai faite avec Joël il y a environ un an. Il y en avait peut-être une douzaine. Putain. Et toi? Bah c'est la rue hein. J'en ai buté à peu près 20 une fois. Il y avait un groupe de passage. Putain. Ah exactement. Peut-être qu'on va battre le record aujourd'hui. Ah j'ai les boules de ouf. Putain, je sais pas si on pourra y réaccéder après. J'avoue j'ai un peu le seum. Ok. Donc, putain en plus juste pour ça quoi. Bah ouais mais je l'ai vu la fenêtre. Mais est-ce que je peux réaccéder avant en fait? Dina, de coureur. Ok. On va voir ce que ça donne. Ouais, hop là. C'est la rue. Je suis désolé, c'est le nouveau type de langage. Hop là, ça dégage. Bon, maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que je peux pas... Oh non, je peux pas repartir en arrière, vraiment. Oh, t'es là, toi, merde. Attends, je l'avais pas vu. Hey, frérot, c'est entre toi et moi. Viens, c'est bien, viens. Bah viens, mec. Fais gaffe. Wow. Hey. Ah, mais, ah, il y en a plusieurs, merde. Ah non. C'était pas le bas. Ah non. Ok. On est fort. Un montagne. Ok. Dina. Hey, Dina. Hey, ça c'est ce que j'appelle. Ça c'est ce que j'appelle. Une pote utile. Il y en a pas d'autres. Putain, lourd. Elle lui a mis un chassé. Non. Je crois que c'est bon. Ok. Faut encore qu'on s'occupe de ceux dans le supermarché. On va faire le tour. À la base, je voulais vraiment être discret. Hein. Mais je pensais qu'il était tout seul. Je pensais pas qu'il y en avait 3 qui allaient sortir du magasin, quoi. Putain, on fait flipper de ouf. En plus, on devait se la jouer discret, je voyais des briques et tout. Donc, fallait vraiment se la jouer discret, tu vois. Il y avait des briques, il y avait des bouteilles. Mais non, j'en ai décidé autrement. Ok, vas-y. Il y a un trou dans le toit, là-bas. Là. Ah, tu fais plaisir. Ça, c'est une vraie soirée, ça. Merci. Ok, alors tu vois un trou dans le toit, là-bas. Ah, là.
Ok, d'accord, ok. Bon, on n'a plus qu'à trouver comment y aller. Let's go. Alors là, je me doute. Ah mais Dina elle gère hein. Franchement. Est-ce que ça va? Ouais. Juste un peu secoué. T'as intérêt à mourir de vieillesse et pas en te faisant infecter. Je veux pas être obligée de te tirer une balle dans la tête. Mais Dina Ok. Super. Ah, Dina, elle sait pas. Ah, mais oui, c'est vrai. En fait, j'avais pas pensé à une composante du bail, mais en fait, l'immunité d'Ellie, elle est pas connue de tous, en fait. Il y a juste Joël qui la connaît, et les Lucioles qui sont d'être dans le game, du coup. Mais en fait, les gens ne savent pas que Ellie, elle est ininfectable. D'accord, moi, je pensais que... Oh, putain, c'est vrai que dans ma tête, je pensais que tout le monde savait, mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Là, je fouille ici. Il y a R. Oh oui, des petits stimulants, encore et encore. Là, je crois qu'on commence à en avoir assez. Hein. J'ai trouvé quelques trucs. Qu'est-ce que c'est? Madame, je suis sincèrement désolé pour ce que j'ai fait. Je voulais pas vous faire de mal. Je voulais rien d'autre que les médicaments. Votre mari m'a attaqué, j'avais pas le choix. Ma petite sœur, sans plus ses jambes, j'avais besoin d'insuline. Personne ne m'en donnait, j'avais pas le choix. J'espère qu'il survivra. Je vous demande pardon. Ok, elle lui a mis un petit chassé, du coup. Elle a mis un petit chassé au mari de la meuf. Par là. Okay, let's go. Hop là. J'y suis. Ok. D'accord. Donc. Ok. Let's go, je pousse ça. Non, je pousse pas ça. Je pousse pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Alors, t'es possédé ou... Ah, le fameux alcool, yes. Hey, j'ai trouvé de l'alcool. Et moi du tissu. Oh bah c'est une jolie coïncidence ça. Tiens. C'est fou. Arrange-toi un peu. Ok. Et bah du coup là on va pouvoir faire ce que vous m'avez demandé. Du coup on va pouvoir créer le petit kit de soins. Donc tac, on le crée. Putain ça fait trop bizarre comme à l'époque. Ok. Niveau des stimulants on est où nous? Ok alors je peux pas le faire. Il faut que je me soigne avant. C'est fou parce que dans The Last of Us, toutes les blessures passent par le poignet quoi. Enfin vraiment si t'as un cancer, hé. Hey, soigne-toi le poignet. Vraiment. Tu t'es coupé la jambe? Le poignet, frère. Ok, donc on a que 19 stimulants. Il nous faut minimum 30 pour faire un minimum de bail. Donc, très bien. Pour l'instant, ça ne sert à rien. N'oublie pas. Je veux pas te tirer une balle dans la tête. Oh, c'est mignon. Ok. Alors, par contre... Oh, par contre, attendez. Ces sports, ça veut dire qu'ils sont là depuis un moment. S'il y a les infectés seront plus dangereux. S'il y a des sports... Est-ce que ça veut pas dire qu'il y a nos frérots qui vont revenir? Est-ce que vous voyez de quoi? Est-ce que vous voyez de qui je parle? Nos frérots. Je crois qu'on est au-dessus. Faut qu'on aille au rez-de-chaussée. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Les claqueurs, yes! Putain, trop hâte. Est-ce qu'on a des petits claqueurs? Est-ce qu'ils sont là, nos potes? Du coup, j'ai peur. j'ose pas avancer. Oh bah ça fait la merde, bah oui. Oh putain. Ça c'est la merde ça. Ok. Oh et les gars, est-ce que vous me croyez? Si je vous dis que je suis ému de les revoir. J'en ai les larmes aux yeux tellement ça me fait plaisir. C'est fou quand même, non? Ils sont pas tout seuls quoi. Oh, hey, les gars, je suis ému. Alors si je me rappelle bien, les claqueurs sont aveugles et se repèrent qu'au bruit. Par contre, s'ils te touchent, immunité ou pas immunité, c'est fin du game. Putain, c'est quand même... Des zombies incroyables. Enfin, je trouve que c'est une des meilleures créations du jeu vidéo, quoi. Enfin, c'est extraordinaire. Non, dégage. Je crois que je me suis excité et que je suis allé trop vite. Hein.
Je vais aller tout doucement. En même temps, putain, tu marches trop vite, frère. Si se retourne, c'est la merde. Maintenant. Ok, c'est bon. Oh là. Ok, ça dégage. Eh, toi, si je te mets pas une balle dans la tête, je m'appelle pas Maxime, ok? Viens. Ok, à gauche. Se calme. Maintenant! Ok. Bon, deux balles. Ça a été une balle de plus. Le saloperie aveugle me donne la chair des poules. Mais je l'ai eu. Viens, on va voir si le reste du bâtiment est dégagé. Ok. Deux balles perdues, une balle récupérée. Ensuite, on se casse de cet endroit. Ah, j'ai fait... Ça, je suis d'accord. Alors, j'ai fait le show, mais... J'ai tiré deux balles, j'ai touché deux fois. Ça, on n'en parle pas assez. Donc, je vais soulever ça. J'ai dit, je vais soulever ça. Ouais, je vais pas soulever ça. J'ai trouvé la porte. Ah, ok. Tu m'aides ? J'ai trouvé la porte ! À quel moment tu as trouvé la porte ? Par le bas. Je te prépare un cadeau. Ah ? J'aime les cadeaux. Dr. House, encore ? Il est partout, lui, c'est fou. Oh, oui, ça je connais. Oh, tiens. Ça je le connais, ça. Merci. Ah, oh, les petits cocktails Molotov, ça fait longtemps, ça aussi, hein. Par contre, ça craint, ça veut dire que c'est un cocktail Molotov, je les gars. Maîtrise. À mon avis, on va pas être tout seul, hein. Alors, on a encore des petits stimulants. On en trouve pas mal, on va pas tarder, je pense, à pouvoir. Ah, bah oui, bah là, nickel. On va pouvoir améliorer tranquillement, je pense, nos bails. Encore ? Ah, oui, d'accord, donc on va vraiment pouvoir améliorer tranquillement nos bails, très bien. On a 54. Après, lequel va falloir privilégier en premier ? Est-ce que ce serait tenace ? Sinon, il y a évidemment santé améliorée, plus de 5% de santé, c'est la base. Ouais, vas-y, on met tout sur tenace. Et bah écoutez, on va attendre, il nous en reste 6 à récupérer. Ah, bah oui, forcément, bah oui, évidemment. Il y en a un paquet ici. Oh, ouais, putain, c'est la merde ici. Okay, on commence par lui. Hop là. Là, il y en a masse. On va essayer de se concentrer tranquillement. Et de pas faire n'importe quoi. Ok, lui, il avait de l'alcool. Ok, il y en a un là. 2, 3, 4, 5. Ok, il y a 5. 5, visible. Il y a peut-être d'autres. En fait, le truc, c'est que si un coureur me voit, je suis dans la merde. Parce que si un coureur me voit, les claqueurs me voient. Enfin, ils m'entendent. Là, je suis mort dans le game. Il faut absolument que je me débarrasse des coureurs avant que les claqueurs me chopent. Avant que je fasse capter. Voilà, ok. Il manque un coureur là-bas. Faut que je m'en débarrasse. Aïe. Tranquille, c'est la rue. Mais ouais, c'est tranquille. C'est rien, c'est la rue. Hein. Là, c'est pas les claqueurs qui me font peur, c'est lui qui me fait peur plus que les claqueurs. Si lui il me capte, ça va être compliqué. Putain, ok, nickel, nickel. Allez, frère, allez, tu connais. Allez, c'est rien, c'est la rue. Ok, c'est bon, on l'a. Ok, lui c'est good, donc il reste que les deux claqueurs. Donc. Il y en a un ici. Évidemment, ils sont pas collés, sinon, bah, ça aurait été trop facile. J'aurais balancé un petit cocktail et on n'en parle plus. Évidemment, il fallait qu'ils soient aux extrémités. Les gaz, c'est bon, c'est pas obligé de. Ça va, j'ai compris. Ok, il va passer par où ? Par la gauche. Ok. Doucement. À chaque fois qu'il fait ça, j'ai l'impression qu'il m'a capté en fait. Oh, viens, oui, yes, viens. Allez, toi, c'est la rue. Allez, hop là. Voilà. Wow, ça dégage. Est-ce que je fais le show ? Est-ce que je le bute au fusil ? Ou est-ce que j'y vais furtivement ? J'ai envie de tenter, tu vois. Mais j'ai peur de faire de la merde. Mais j'ai envie de tenter. Touché. Oh,
Allez, eh, franchement. Mec, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu l'avais pas vu? Eh, t'es quand même. Eh, t'es quand même la meuf sûre, toi. Attends, il est pas mort? Si? Il en reste? Eh, t'es. Eh, c'est ma meuf sûre. C'est elle, c'est incroyable. Elle est vraiment. Elle est dans le game, quoi. Elle pèse dans le game, c'est fou. Tu sais quoi? Elle l'a tué toute seule, j'ai rien fait. C'est impressionnant. J'ai rien fait. C'est dingue. Je la kiffe. Allez. On va au prochain poste de guet. Elle a ma bénédiction, là. Elle a ma bénédiction, y'a pas de soucis, hein. Go, hein. D'accord. T'es chaud, là, hein. Ok. C'est que ça. Let's go, c'est par là, je pense. Ça bouge pas. Ah bah, c'est facile. Il suffit que tu me lances à travers ce trou dans le toit. Oh bah oui, bah c'était évident. Bah, évidemment. Eh, quoi de plus normal? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton plan? Il y a un câble. Voilà, c'est bon. Putain, c'est quand même fou. C'est quand même fou. Qu'il y a un câble pile au moment où on a besoin d'un câble. La vie est bien faite, hein. C'est dingue. Allez, vas-y. Elle est magnifique. Mais grave. Parfait, très bien. On va faire du tir à la corde. Yes. Ok, c'est bon. J'y vais. Moi, je peux pas venir, moi. Prends le truc, il va céder. Elle va se péter une côte. On va se réparer le poignet, évidemment. Ah, y a pas du vent les gars, c'est une tornade en fait. Par ici. Ok, let's go. Ouh. Oh, c'est là d'où on vient. Attends. Est-ce que je peux refaire mon bail? La tempête approche là. Oh, bah deux secondes. On est loin du poste de guet. Oh yes. Attendez, je crois que je peux le refaire. Oui. Nickel, parfait. Putain, yes. Je te suis. Et voilà. Ah, je suis content. On a pu refaire le tour, j'espère que c'est pas pour rien au moins. Oh yes, allez, oh là là, yes. Des petits stimulants, putain, ça fait plaisir. Et voilà. Je suis content, bah de toute façon, fallait bien un moment ou un autre qu'on récupère les chevaux, dans tous les cas. Donc je suis content, c'est cool. Donc on va pouvoir se prendre tenace là, on a 31, magnifique, c'est parfait. Oh, attends, quoi? J'ai oublié de passer par tous les trucs avant d'arriver à tenace. Mais non. Mais si. Ah mais là c'est même plus la rue là, c'est incroyable. Ah ouais, cette énorme douille. D'accord, bon. Ok, bon bah la question est réglée. La question est réglée. Je pensais qu'on pouvait choisir, mais non en fait on a passé par chaque compétence pour arriver à la dernière. Très bien. Bon bah écoute. Yes. Par contre je sais pas si vous remarquez, mais il y a le blizzard. C'est étrangement le même blizzard. Hey, t'es encore loin. Encore quelques minutes. T'avais abusé. Okay. Tu vois. De toute façon, elles vont se croiser. Elles vont se croiser, c'est évident. On n'aurait pas joué sinon. Mais je sais pas pourquoi j'ai la pression les gars là. Je suis tellement bien là, je suis tellement heureux. Pire. C'est fou. On fait demi-tour. C'est trop tard maintenant. On y est prêt. Merci Marwan. Merci mon pote. Je sais ma belle. Allez, continue. Par contre, je vais Dina, te perdre, Dina. Eh voilà, c'est sûr. Eh, 5 euros, je la perds. Dina. Bah voilà, bah oui. Attends, frère, qu'est-ce que tu pars comme ça devant? Alors Dina. Que 3 mètres devant moi, je vois rien. Meuf. Dina, tu baisses dans mon estime là. Ça va pas du tout. Oh, je suis perdu. Les gars, je suis perdu. Dina, t'es où? Ellie. Ah, super. Ça va, je la retrouve, ça va. C'est par là. Où est-ce qu'on va? Fais-moi confiance. Ok. La librairie. À l'intérieur. Très bien. Ouais, s'il y a un claqueur ou un zombie qui m'attaque maintenant, c'est la fin du game. Fin du jeu. The Last of Us Partout. Fin. Aliette meurt, Ellie meurt. Terminé. C'est un peu triste, hein. Je m'occupe de la porte. Déjà venu. Je suis passé devant. Sans entrer. C'est glauque. Bon, très glauque. On va s'assurer qu'il n'y a personne.
Ok, donc déjà ici, on va là-bas, je me doute, non? Quelqu'un a tout verrouillé. Ok. Il y a un truc au fond. Je crois qu'il y a un lit. Tu penses que c'est un squatter? Tu vois un moyen d'entrer? Ok. Bah écoute, fais-la passer par un trou dans le toit, hein, franchement. elle, c'est la spécialiste. On dirait que ça fait un bail que personne est venu ici. Mais quoi, fichier bien sûr, regarde. Hop là, c'est quoi ça, les gars? Voilà. Alors, oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau tout ça. Tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas croisé d'établi encore. On n'a pas pu. Bah, s'il y a encore ça, on va toujours pouvoir améliorer nos armes. Mais c'est vrai que dans le 1, il y avait des petits établis. Je sais pas comment ça se passe dans le 2 maintenant. S'il y a encore des établis ou pas. Donc, ce serait la planque de gêne alors. Très bien, bah la planque de gêne. Ouais, c'est bien la planque de gêne. Qui était une luciole. C'est parti des lucioles ? Ouais, avec Tommy. Putain, c'est beau, mais regardez-moi ça. Et même ses doigts, ses ongles là. Par contre, les ongles sales, ça va pas du tout. Eh. Putain, c'est beau, regarde le médaillon, le métal et tout, mais c'est incroyable. Putain, c'est fou. C'est beau, c'est très joli, très joli. Je savais pas. Très joli. Ouais. Ils ont fait des trucs assez moches. Ouais, t'inquiète, en termes de luciole, on connaît. Il a dit qu'il avait fait sauter un poste de contrôle dans une ZQ de Denver. Ah. Trois soldats sont morts. Ah. Et deux civils. Ah. Bordel. Embêtant. Il m'a dit aussi que lui et Tommy avaient torturé un général de la Fedra. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer Tommy faire tout ça. Il a fait pire. Yes. Comment ça? Lui et Joël ont fait pas mal de trucs pour survivre après les... Après les gars, c'est la rue. Hein. Je veux dire, soit c'est toi, soit c'est les autres quoi. Je pense que dans ces moments-là... c'est soit tu vis, soit tu survis, soit tu meurs en fait. Malheureusement, t'as pas le choix de faire des choses horribles pour survivre en fait. Oh, énorme! Y'a une PS3, what the fuck! Oh mec, y'a Uncharted 2! Y'a Jack and Dexter, mais c'est incroyable! Ah, c'est génial! Regardez! Y'a Jack and Dexter 3, je crois, ou la trilogie, je sais pas. Ouais, c'est la trilogie, y'a Uncharted 2. Y'a une PS3, les gars, what the fuck! J'ai écrit un truc dans mon journal. D'accord, moi je le lirai après. Oh putain! C'est Tommy et Eugène. Énorme. Ils ont des têtes de bébé. Attendez, je vois rien. Je vois R. Mais la putain de lumière sur... Voilà. Wow. Lumière. Et radiateur. Ok. Il doit forcément y avoir un générateur dans le coin, c'est sûr. Le journal. Alors, pendentif des lucioles. Donc ça, ok, c'est ce qu'on... Ah d'accord, donc on récupère, on garde les preuves, entre guillemets. Par contre, on a écrit un truc. Lire. Donc machin au bal, blablabla, on a eu notre petit poème. Ouais c'est ça, et à droite du coup on a « Est-ce que Eugène était en contact avec les autres lucioles? Est-ce qu'il sait pour Joël et moi? Non, il en aurait parlé. » Vous voyez? Donc, ouais, c'est un secret, pas... Ok, je vois. Là je le voyais pas comme ça, mais c'est vrai que c'est pas à dire quoi. Du coup peut-être que Eugène était au courant, pour le coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Eugène, il écrit en Eugène. Eugène, je t'en supplie, rentre à la maison. Si les lucioles veulent sauver le monde, eh bien laisse-les faire. Laisse-les s'attaquer à l'armée et aux politiciens. Laisse-les mettre au point un vaccin pour sauver l'humanité. Ellie, je lis, bordel. Eugène. C'est bon? Laisse-les mettre au point un vaccin pour sauver l'humanité. Qui sait, ils réussiront peut-être un jour. En attendant, tu dois d'abord penser à ta fille. Les lucioles s'en sortiront sans toi, mais pas elle. Elle n'arrête pas de me demander quand tu vas rentrer. Je n'ai plus la force de lui mentir, tu me manques. Mais je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Rentre à la maison, s'il te plaît, on t'aime, Claire. Ouais, j'avoue, c'est chaud parce que... Si le gars, au final... Oh, c'est trop mignon, ça me brise le cœur. Si le gars, au final, a une famille... Ah, frérot, des lucioles, enfin, je veux dire, il y en a plein, quoi. L'armée, il y a plein, enfin, il y en a plein des gars, tu vois. Reste avec ta famille, ta fille a plus besoin de toi que les lucioles, quoi. Enfin... Hey, j'ai trouvé le générateur. Bon, après... Ah, un établi! Ah, on va pouvoir améliorer nos armes, ça. C'est évident. Ah, les générateurs, c'est les mêmes qu'à l'époque! Trop marrant, c'est génial. Hop. Ok. Hop. Hop là. Génial. Ah, je préfère ça. Oh, waouh. Il est pas mal, ton établi, Eugène. Donc on va pouvoir... Tu peux modifier ton arme avec ça. Yes. Ça fait plaisir. Alors, on peut améliorer soit le fusil, soit le flingue. Bon, le flingue, ça reste quand même la base. Mine de rien. C'est un peu notre outil principal. La stabilité. La base. Vraiment la base.
Putain, mais regardez-moi ça. Ah, mais là, ça step up quand même. Genre, regardez, elle est en train de faire le... Elle est en train de réparer le flingue, c'est fou. Ok. Ouais, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. C'est beau boulot. Bah écoute. Et on fera la cadence... Ou la capacité. La capacité, c'est la base de son. Petite multiprise et tout, ça me tue. D'accord, donc, ensuite, que faire? Il y a un petit chauffage et tout, on était bien, hein. Ellie, regarde par terre. Il y a d'autres trucs en bas. Il y a une salle en dessous. Tu vois un moyen de descendre? Ouais, alors. Pas ici. Énorme. Ok, bon bah écoute, mission, descendre en bas, je me doute. Descendre en bas. On descend rarement en haut, c'est vrai, mais vous avez compris. Ok, ici. Aide-moi. Qu'est-ce qu'il cachait en bas? De la cocaïne. C'est forcément un donjon SM. C'est pour ça qu'il t'en a pas parlé. Yes. Franchement, j'espère pour lui que c'est un donjon SM. Il était tellement seul. Eh, j'ai dit cocaïne. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Ça fait beaucoup de weed séché. Putain, le mec, il se mettait, mais bien comme jamais, quoi. Le gars, il pouvait être défoncé à toute la journée, frérot. Mais qu'est-ce qu'il... Oh, le mec, waouh. Ah, mon pote, Oh, une cassette. Eh, il a des cassettes vidéo. La queue du loup. C'est un toxico vénère. Smash Brandy Scooch. Mais les gars, ils ont foutu des easter eggs partout, quoi. Ça me bute. J'en avais des goûts spéciaux. Sage bandit Scrooge, mais what the fuck? C'est incroyable. Ils ont vraiment mis des historiques partout, ça me bute. Il aurait dû m'en parler. J'aurais pu l'aider. Comment ça, j'aurais pu l'aider? Oh, il a même des joints et tout, mon gars, what the fuck? Oh, intéressant. Tu crois qu'elle est bonne? Ça périme, la weed? On va voir. Un coup de main? Non, c'est bon. Bah c'est bon, pète-le par terre, oh, ça va. Putain, donne-moi ça. Quoi? Tu crois que tu peux faire mieux? Ça va finir par terre. Ah, j'avoue. C'est... Ça va finir par terre. Oh, et merde. Ça a fini par terre. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Bah quoi? Je l'ai ouvert. Alors, elle l'a ouvert. Par contre, les gars, genre, est-ce que vraiment c'est le meilleur moment de se défoncer alors qu'il y a des infectés qui peuvent vous arriver de nulle part? Je ne sais pas. Là, comme ça, pas vraiment. Tu sais, on va rester coincé un moment. On est pris au piège. Ça sent le plan drague. Ellie, elle est en crush, mais puissance 1000. Hein. Regardez ses yeux. Ellie, elle est en crush, mais violent. C'est trop mignon. C'est pas ce que tu viens de faire? Ah, c'est marrant, ça, Ellie. Sur une échelle de 1 à 10. 1 étant complètement nul à chier. Et 10 étant... à couper le souffle. Quelle note tu donnerais à notre baiser d'hier soir? Pourquoi tu veux revenir là-dessus? C'est une bonne technique, hein? Le coup de la note. Tu as dit que c'était une erreur? C'est une bonne technique. Moi, j'ai dit ça. Pourquoi tu joues? 10, 3, vous avez même pas vu le baiser, qu'est-ce que vous me sortez? Je te demande juste de noter ce baiser. Comment elles en meurent d'envie. Je sais pas. Elles se bouffent les yeux là, c'est impressionnant. Moi je dirais 6. Un 6. Ah, ça vexé. 6, c'est déjà pas mal. Ok. Il y avait du monde autour de nous. Ouais, mais 6. Elle est vexée, trop mignonne. J'ai vraiment envie d'entendre ta note maintenant.
Je crois pas, non. T'es chiante, tu sais. C'est toi qui dis ça. Trop mignon, c'est adorable, c'est adorable. Tu me donnes envie de retourner en plein blizzard. Personne t'en empêche. Ça va s'embrasser. T'as intérêt à faire mieux que 6. Eh bien, elle là, c'est pas un 8,5. Alors, note à moi-même, du coup, pour mon prochain date. Alors, faire le coup de la note. Eh, hey, meilleur bail, hein. Franchement, meilleur bail, hein. Alors, on retrouve Abby. Oui, ça. Oh, fuck. Super désaffecté. Ok. Oh putain. Il y en a combien, les gars? Il y en a combien? Ok. Let's go. Hop là. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Wow, mais wow. Ok, ok, wow. Oh, 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 mec, c'est la roi, c'est la merde, hein. Oh, mec. Oh, mais là, c'est plus la rue. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? C'est l'autoroute. Il file ou pas? Mec, mais mec, mais mec. Je me fais agresser. Je me fais agresser. C'est toujours derrière moi ou pas? Oh mais les gars, ils sont devant, ils sont derrière. Oh là 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 là. Où je vais, où je vais, où je vais, où je vais. Ah, ok, ok. Oh, le nombre, le nombre. Wow. Oh mais les gars, vous êtes partout. Mais c'est incroyable. Ok, j'arrête de regarder derrière moi, j'arrête de regarder derrière moi, c'est bon. Oh, wow. J'ai compris. Je voulais regarder derrière moi, mais c'est pas une bonne idée. J'arrête. Oh là là là, c'est la merde. Eh, vous imaginez à sa place? La pression. C'est la merde, hein. Je vais me retrouver dans une librairie comme par hasard, vous allez voir, je le sens. Merde, 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 merde. Par où, par où, par où, par où, par là. Un kit médical, yes. Let's go, on s'en va, on s'en va. Vite, 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 vite. On est dans la merde, let's go. La panique, la panique, la panique. Allez, allez, dégage, 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 dégage. Donne-moi la main. C'est qui, c'est Owen? On va devoir courir. Ils sont trop nombreux. Je veux courir, allez-y. Allez, par ici. C'est Joel et Tommy. Le time, le time. Regardez, c'est lui qu'elle cherchait, on va vite le savoir. Ok. Ça va? Ouais. Putain, mais d'où est-ce qu'il sort? Oh, Joël le king, Joël le boss. Joël le boss. L'important, c'est de se casser d'ici. S'il sort par derrière, il y a peut-être moyen d'atteindre le chalet. J'ai pas de meilleure idée en tout cas. Et un tuyau. Ok. Faut qu'on prévienne les autres. Faut y aller. Ça dégage. Oh là là, homme rêve. Ça dégage. Hop là. Il m'a demandé un bon tuyau aussi. Pardon, pardon, j'ai rigolé. Je rigole, je rigole, je rigole. Hop là, voilà le tuyau.
Par cette porte, allez! Bah ça va, ça va. Dépêche-toi! Téléphone, téléphone. Qu'est-ce que c'est que ça? Changer, je change. Oh, très bien. Ok. Aïe. Ah, ça dégage. J'ai plus mon tuyau. Ok, je l'ai encore. J'ai encore un coup avec mon tuyau. Qu'est-ce que vous voulez faire, les gars? C'est quoi le plan? Là-haut, la fenêtre. D'accord. Sors okay. Par là. Tu vois. Y'a un moyen de monter. Là, utilise ça. Ça? Utilise quoi? On a besoin d'un coup de main avec ça. Ok. Ça va paniquer un peu, hein. Faut la foutre sur le chariot. Eh, franchement, les gars, vu ma force, j'aurais pu le faire tout seul, hein. Ils sont en train d'entrer. Je déplace la nacelle jusqu'à la fenêtre. Compte sur vous pour me couvrir. Ok. Ok, je vais te couvrir. Je te couvre. Oh, merde, mon tuyau. Ça dégage. Quoi, claqueur? Il a dit claqueur? Ça dégage. Allez. Ça dégage, t'inquiète, très bien. J'ai plus mon fuyau. Fuck, j'arrive pas à viser, mais c'est possible. Oh, c'est la merde. Oh, marteau. Viens. Voilà, ça dégage. Hop là, je m'en vais. Ok, merci Joël, t'as fait haut. Ok, t'as fait haut. Ok. Je vais t'aider. Reste à côté de nous. Ça fait un peu beaucoup là, non? Où est-ce qu'on va? Je suis pas là. Allez. Vache, les gars, mais... Surtout là, c'est la part de nous. On ferme les portes. Par ici, vite. Ok, c'est bon. Tendu, hein. Hé, hey, moi c'est Tommy. Lui c'est Joël. C'est quoi ton nom? Abby. Abby, tu vas bien? Ouais. Ça va pas tenir. Faut faire demi-tour. On pourra pas cavaler jusqu'à Jackson. Il faut barricader cette porte. Je suis désolé, je baisse un petit peu le son. Et on peut pas rester ici. Parce qu'apparemment il y a beaucoup de... de bordel. Abby habite dans une maison vers le nord. Elle est barricadée et on contrôle le périmètre. J'avoue que c'est un peu bordel, c'est un peu le bordel. On peut y arriver. Ok. Je m'occupe. Désolé de la si vous m'avez pas bien entendu. Mais ouais, c'était. C'était compliqué de se concentrer là. C'était compliqué. Alors, du coup, est-ce qu'elle cherche Joël ou pas? Ah, c'est le bordel, hein. Putain. C'est le bordel, hein. Eh, c'est vous qui m'avez demandé d'avoir le jeu très fort. Vous avez eu le jeu très fort. Et pendant ce temps-là... J'ai trouvé un skateboard. Deux salles, deux ambiances. Hein. Et j'ai essayé de monter dessus. Et il s'est barré 5 mètres plus loin sans moi. Mais pourquoi t'as cette cicatrice? Je suis tombée sur mon couteau. Ok. La brûlure là. Oh, je l'ai fait exprès. Ah bon? Pourquoi? C'est pas là où elle s'est fait mordre? Pour cacher une morsure. Juste là. C'est bien ça, c'est sa morsure. Quand j'avais 14 ans, ah, donc elle le dit. Infecté m'a mordu. Ok. Et en fait, je suis immunisée. Alors, j'ai eu une putain de cicatrice avec des traces de dents, des kystes. On va pas la croire. Ouais, ah, voilà. Elle est chiante. C'était sûr. Quoi? Moi, je t'ai raconté une histoire vraie. Mais moi aussi, bah, c'est une histoire pas. Vraie. Tu veux que je te morde? T'as entendu? Jesse? Oh merde. Reste où t'es, d'accord? Tout va bien? Non, attends deux minutes.
Hey, retourne-toi, bordel, mais qu'est-ce que tu Putain, fous? Putain, c'est une blague. Ah bah, deux salles, deux ambiances, hein. C'est patrouillé. C'est le blizzard dehors. C'est de la weed? Qu'est-ce que tu fais là? Vous savez que des gens comptent sur vous. C'est important ce qu'on fait. Alors pourquoi t'es pas au poste de guet? Parce que Tommy et Joël sont pas venus. Ah merde. Comment ça? Ah bah oui. On les a attendus pendant une heure. Je cherchais leurs chevaux et j'ai vu la lumière. Ils sont peut-être rentrés en ville. Sans se faire remplacer, je crois pas. Est-ce que t'as couvert beaucoup de terrain? Non, pas beaucoup. Alors on se sépare. On prend des directions différentes. On peut couvrir le secteur en quelques heures. J'aime pas vous laisser seul. C'est dangereux ici. Justement, et s'ils ont besoin d'aide? D'accord. Je vais vers l'ouest, Dina va vers le sud, et toi vers l'est. Mais pas de conneries, ok? Ça me revient. Ok. Ah, elle est pas bien, là elle est pas bien. Ils ont beau avoir des différents, là elle est pas bien. Retour avec Abby et Joël, ok. La tête d'Abby, ça me bute, c'est un guerrier, putain, ça me tue. Vraiment, ça me bute. Ah, donc ils sont nombreux, mine de rien, le groupe de Abby, hein. Alors, est-ce que c'était Joël qu'elle cherchait? Vous allez bien? Ou pas? Ça va. Merci. Ouais. C'est maintenant qu'on va avoir la réponse. Vous voulez qu'on décèle vos chevaux? Non, non, on va pas s'incruster. On partira dès que la tempête sera finie. Vous avez des brosses, des serviettes, tout ça? On peut dire que t'as de la chance. Plus que tu l'imagines. D'où vient votre électricité? Ok, c'est bien lui. C'est, à mon avis, c'est lui. Et c'est qui ce type? Et vous êtes là depuis longtemps? Ok, oh non, putain, oh là là, oh merde, ça sent la merde, oh ça sent la merde. Ouais. Oh les gars, je suis en pression de ouf, putain. Rien, on fait passer. Et vous, vous habitez par ici? Ouais, quelques kilomètres plus bas. Vous devriez rentrer avec nous et faire le plein avant de partir. C'est sympa. Au fait, moi c'est Mel. Tommy. Et lui c'est mon frère. Joël. Oh putain. Oh putain les gars. Quelque chose m'a dit que vous me connaissez déjà. Ouais, on te connaît. Oh merde! Pardon? Pardon? Nora, c'est bon. Il est à chasse. Mettez-le contre la vitre. Jamais! Lâchez-moi! Putain, ils auraient tellement dû la laisser crever comme une merde! Joël Miller. T'es qui, toi? Devine. Récite-moi le discours que t'as préparé pour l'occasion. Finissons-en. Oh non, les gars, mon cœur va pas tenir, les gars. Les gars. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain? Soigne sa jambe. Allez! Énorme salope quand même, hein. Énorme salope, hein, quand même, hein. De qualité supérieure, les gars. Hein. T'as pas intérêt à bouger, putain. Alors, du coup, c'est qui Abby, putain? J'arrive pas à comprendre qui c'est. Non.
Écartez-vous. Non mais qu'est-ce qu'elle va faire là? T'es vraiment un imbécile. Tu croyais crever si vite? Pardon? Pardon? Oh les gars, cette histoire je la sens tellement pas. Oh là là les gars, cette histoire je la sens tellement pas. Déjà vous savez quoi, pour YouTube on va s'arrêter là les gars. Putain je me sens pas bien. Ok, déjà pour YouTube on va s'arrêter là les gars. Prochain épisode très vite, des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très très vite pour la suite, vous inquiétez pas, ça va arriver très très rapidement. Je sais que c'est très rageant de s'arrêter là mais ça va venir très vite. Premier, à très très vite.